Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo Uber Eats, je vous dis tout les gars. Comme moi je fais Uber Eats, je vous dis tout. Le transport, l'argent que tu peux gagner, comment ça se passe, comment tu t'inscris. Donc les gars, c'est parti, hein, générique. Je suis juste des Pablo, de mettre quelque chose sur la table. Et ces fils de salauds veulent m'empêcher de brasser dans le sale. Et je veux un Boeing comme Tamblo, pour pas que la police vienne me bloquer. Il faut savoir que moi déjà j'ai fait Uber Eats en voiture. J'avais commencé Uber Eats il y a 2-3 ans à vélo, mais franchement les gars, c'est pas rentable. Donc déjà minimum, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous voulez faire Uber Eats, minimum le booster ou l'engin ou la voiture. À vélo en fait, des fois t'as des commandes, t'as des livraisons, tu vois, tu montes des trucs, des pentes, des montées, et au final ils vont te payer 3-4 euros, 4-5 euros max. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, premier conseil, Uber Eats. En voiture ou en... après peu importe, trottinette, mais pas à vélo quoi. En fait, à vélo, en fait, je trouve que le travail que tu effectues est pas proportionnel au revenu que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en gros, tu vas faire des trucs, tu vas tellement galérer, tu seras essoufflé pour gagner 3-4 euros. Donc, premièrement, les gars, c'est ça. Le vélo à bannir, à bannir. Si possible, hein? Bien sûr, si possible. Du coup, les gars, ensuite, Uber Eats. Il faut savoir que pour faire Uber Eats, il faut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça les gars, en soi, si vous avez des questions, vous me dites en privé, c'est pas compliqué, tu vas sur un site qui s'appelle le site de l'URSSAF, tu vas, tu crées ton compte professionnel, et après en gros, tu auras ton numéro de sirette, ces trucs-là, et ensuite tu pourras aller sur l'application Uber Eats pour ensuite créer ton compte et commencer. Tu fais une photo, moi d'ailleurs j'ai une photo de bâtard, tu fais une photo qui va jamais changer, donc fais une bonne photo, cette photo-là elle n'est pas modifiable, donc fais une bonne photo mon frère. Du coup voilà, auto-entrepreneur. Bon ok les gars, du coup c'est parti. Vous allez aller avec moi pendant que je fais 2-3 commandes pour vous montrer rapidement comment ça se passe, un peu l'ambiance. Et puis c'est parti hein. Donc voilà, on y va, let's go. Donc les frères, donc grosse soirée, je sais pas hein. Mais du coup les gars, sur Uber Eats, donc la première étape, bon je traverse rapidement. La première étape les gars, c'est aller récupérer la voiture chez mon cousin. Donc les gars, là, c'est ce que je vais faire. Vous connaissez, petit masque, petite casquette. Et puis voilà quoi, on se retrouve dans la voiture. Hein. Yes. Cheers. Ouais, les gars, du coup là, c'est parti les gars. On a le fameux véhicule. On a pris ce qu'on devait prendre. Donc les gars, on va y aller. Je vous montre. Tout de suite. Donc les gars, là, c'est un peu la partie en mode explication. Vous voyez ce que je veux dire? Tranquillement, on se met bien. Donc les gars, comme vous le voyez les gars, la première étape sera d'aller faire de l'essence. Et merci pour l'essence pas faite. Donc voilà les gars, aussi qu'on fait la roue. Bon, carré tout ça. Les gars, là je sors de la station les gars, il me dit il a pas le truc là, l'ampoule pour gonfler les roues. Donc là il faut que je change de station. Par contre ouais, je vais quand même gonfler, quand même mettre l'essence les gars. Donc c'est parti hein. Et ouais les gars, du coup là, on met l'essence les gars, on met l'essence. Comme dirait un célèbre poète, poto où t'étais quand je mettais 20 euros d'essence. Ouais les gars, là y'a personne les mecs, y'a personne, je suis seul au monde. Donc les gars, on met l'essence, on met les 20 euros d'essence, samplon 95 E10. Pour la qualité, normal. Et voilà les gars, quand ça atteint 20, c'est parfait, tout est bon, on peut y aller, c'est terminé. Et merci. Et on dit quoi pour l'essence? Et merci. Ok. Avec plus d'une bille sur mes côtes, l'urgence c'est baisser comme une cote. L'urgence 6-9, même mon bavette ça tape la pause. Ta fausse éclique t'es glauque en mousse. Toute ta vie des rabats. J'suis casse mais belle avec la droite. Je fais des rabats. Donc les gars là, normal, comme vous voyez les gars, je vais mais je gonfle la roue. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pression à 2,5. Parce que comme ça, enfin je sais pas, c'est ce qui est dit quoi, tu vois. Donc à 2,5, quand 2,5 sera atteint, ce sera bon, on pourra partir et tout sera cool, tout sera carré. Donc là vous connaissez, on joue avec, on regarde, allez 2,4, 2,5 et c'est bon. Et les gars, on dit quoi pour le MRC, pour la roue MRC, MRC, MRC? C'est parti les gars, donc c'est le moment de se mettre en ligne, passage en ligne les gars. Donc on attend une commande et quand il y a une commande les gars, ben c'est reparti, je vous montre ça et puis on décolle hein. Là les gars, tout est carré les gars, on peut y aller. Et merci, on va effacer ça.
Et on attend les gars tranquillement. On y va. Hein. Les gars, il y a une commande. Même pas les gars, il y a deux commandes les gars pour 6 euros. C'est parti. Et merci. Et voilà. Le Karachi, 206 rue Garibaldi les gars. Ce que moi j'ai fait, j'ai mis ça sur Waz parce que Waz vous connaissez, c'est la base. Et c'est parti les gars. Une petite maraude, une petite donation. Les gars, générosité les mecs. Donc les gars, là c'est parti les gars, on est devant le resto. Bon attendez. Donc il y a deux commandes comme vous l'avez vu. Donc le resto il est... Le Karachi il est ici. Il est ici, deux commandes. Donc on verra si elles sont prêtes. Comme ça on les prend direct. Et on décolle les gars. On décolle direct. Boum, là vous voyez le nom. Waïda et... Thiago. Bonsoir. J'ai deux commandes, une pour Waïda et une pour Thiago s'il vous plaît. Thiago et... Ouais c'est bon. Ouais c'est bon, je valide ça et c'est bon les gars, merci. Hein. Donc, merci et bonne soirée. Dirigez-vous vers le sud sur le Garibaldi en direction. Les gars, c'est parti les gars, on va livrer le premier client. Et c'est parti. Les deux commandes sont ici. C'est parti les mecs. Bonsoir. C'est la commande... Thiago, ouais, c'est celle-là. Attendez, je prends une photo. Ah bonjour monsieur. Bon dépec. Merci beaucoup. Merci, bonsoir, au revoir. Ouais les gars, la commande était faite. Bon là c'était assez vite. En général, vous connaissez. Bon après il y a le masque. Mais en général, c'est petit sourire, petit truc pour bien montrer au client parfois. Parce qu'en fait les gars, il faut savoir que il y a des pourboires en fait. Le client il peut donner un pourboire sur l'application et en vrai. Donc en gros, si tu vois t'es. Là c'était assez vide, mais si tu vois t'es courtois, t'es souriant et puis t'as une bonne attitude, il y a moins que t'es des pourboires à mort, tu vois. Donc les gars, courtoisie avant tout. Donc les gars, là c'est parti pour la deuxième commande. La deuxième commande les gars. Est-ce que vous vous rappelez, il y avait deux commandes au Karachi. Attendez les lumières. Donc c'est parti pour la deuxième commande les mecs. Et c'est parti. Donc là les gars, deuxième commande les gars. Donc on cherche la rue. Voilà, rue, voilà, rue, voilà, rue, voilà. Ah merde, je sais pas si c'est lui. Je sais pas, attendez. Non. Ok, ça me dit d'aller là. Donc les gars, deuxième commande, entre temps les gars, vous avez pas vu, mais j'ai une autre commande. J'ai une autre commande que après je vais faire. Donc là, avec les deux là que je vous montre, ça fait 6 euros. Donc, ah ok, c'est bien là. Donc okay, c'est parti les gars. Boum, boum, boum. Allez, ça, ici on descend par là. Attendez, faut qu'on avance. Ok, c'est là-bas. Ouais, le sac il est cassé, donc je dois le tenir. Bref, c'est abusé. Je crois que je vois le monsieur, les gars. Donc, comme je vous ai dit, les gars, courtoisie, comme ça, des petits pourboires, des petites pièces, tu vois ce que je veux dire. Allez. Bonsoir, c'est la commande de. Pardon, Waïda. Ouais, c'est ça. Ah, super, voilà pourquoi monsieur, attendez, je prends une photo rapidement. Tac, allez, comme ça, on fait. Les gars, voilà, la deuxième commande est en question, hein. Enfin, la troisième, du coup. Elle est ici, c'est parti. Les gars, c'est parti, les gars. Donc là, c'est la troisième ou quatrième, je sais plus. Quatrième commande les gars, donc là on a des pizzas et voilà les gars, donc en gros là c'est bon, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe la livraison, mais sinon après explication, salaire, tout ça, et ouais mon gars, et ouais. Donc les gars là, le client ce qu'il m'a demandé, Corona vous connaissez, il m'a demandé de laisser du coup les pizzas dans l'ascenseur, ici là, et j'appuie à son étage et c'est bon, il récupère, carré non. Donc voilà les gars, c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est pas ce qu'on fait déjà. On pose ça, bon c'est un peu crâne quand même à terre j'avoue. On pose ça là les gars, comme il a dit, tac, on prend une photo. Ouh, il est bizarre l'ascenseur. Comme toi frère. On prend une photo les gars. Ouais, tac, terminé. Attends ascenseur. Ok. Donc boum, où il voulait. Donc c'est bon, c'est fait les gars. Les deux courses et la troisième, ça va. C'est parti, on est. Ça va charger, vous verrez. Allez, ça va charger quand tu veux, hein. Voilà. Donc les gars, dans la commande que je vais vous montrer, les gars, c'est ici là, ici, ouais, allez, ici là que j'ai pris panne, les gars. Allez voir ma story time où j'ai pris panne. Donc voilà les gars, là du coup on va prendre une commande les gars. Oh, les contrôleurs je crois. Bref, je suis pas concerné.
Donc, du coup, ouais, les gars, on va prendre sa commande en espérant qu'il n'y a pas d'attente, quoi. Là, je vois beaucoup de gars. Donc voilà, les gars, donc allez, dernière commande. Et après, bon, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Mais du coup, après, je pense que c'est bon, quoi. 3-4 commandes, c'est bon. Vous avez compris le système, quoi. Et ouais, les gars, quand on parle de Uber, du pourboire Uber, on parle de ça. Donc 1,50€, c'est déjà pas mal. Donc, par exemple, ce soir, 11 courses effectuées. Voir la serviette du tac. Donc là, on aura les activités, en gros, les différentes courses. Donc rapidement, boum. Regardez, il y a un bonus de 10 courses. Ah ouais, 9 courses. J'ai raté le bonus à une course. Putain, j'ai trop traîné. Bref, du coup, voilà. Ça, c'est les différentes courses que vous avez fait. Tranquille. Donc ça, là, ici, les gars, récapitulatif hebdomadaire. Donc vous voyez, là, c'est pour aujourd'hui, vendredi. Donc j'ai fait 41,63€. Donc du coup, un pourboire, j'ai eu un pourboire sur le site direct et un pourboire en main propre de 1,50€. Donc du coup, 1,50€. Franchement, ça paraît dérisoire, les gars, mais en vrai de vrai, c'est grave lourd. Hein. Parce qu'en vrai, t'as rien fait en plus, c'était un petit pourboire. Donc du coup, les gars, là, c'est chaque semaine l'argent qu'on gagne. Comme vous le voyez, regardez, donc là, 0€, 0€, puisque j'ai pas fait, quoi. Là, j'ai repris donc 41€ que ce soir. Donc demain et dimanche, en espérant que ça marche bien. Voilà, 12€. Je vous montre ma semaine la plus prolifique. Regardez ça, les gars. 215€ par semaine, là, comme je vous ai dit. Donc dimanche, j'avais fait 63€ que le dimanche. Le samedi, 27, tu vois. Le vendredi, allez, bon, bref. Voilà, vendredi 44, jeudi, tu vois. En gros, les gars, c'est comme ça, 200€. Et au niveau des pourboires, regardez. Attendez, on va mettre tout le... On va revenir partout, quoi, pardon. Tac. On va revenir partout. Comment ça se passe, attendez. Les gars, je vous montre juste les pourboires que j'ai eu quand j'avais gagné 215€. Pour que vous voyez que les pourboires, c'est grave lourd, en fait. Voilà, les gars. Pourboire, 23€ de pourboire, les gars. 192€ avec les courses. Au final, 215€. Voilà, donc voilà, toujours rester courtois, souriant et ça se fait. Donc voilà, les gars, comment la plateforme est. Donc ça, c'est l'argent que tu gagnes. Rien de, tu vois. La fameuse photo, les gars, regardez-moi la photo, regardez-moi la gueule, putain. Voilà, les gars, donc du coup, là, c'était les courses effectuées, pardon. Bim, 190 livraisons, 100% de satisfaction, tu m'étonnes, je suis un amour. Et voilà, les gars, c'est carré, et toute la semaine, t'es payé, tous les lundis, t'es payé. Donc voilà les gars, pour c'était bon pour montrer mais la plateforme quoi. Voilà, c'est carré, c'est ça. J'ai fait le plan à la base, je veux salaire que Mohamed Salah. Si tout se passe bien, je vais au Bahamas. Si mon jour bien, je vais au